On est à Phuket. On en a fait du chemin jusqu'ici. On va sur une île qui s'appelle Koh Yao Yai et on va passer la semaine à visiter la région, d'aller d'île en île. Je voulais vraiment venir ici pour voir Mayabé. On récupère nos valises, on prend un jeep jusqu'à l'hôtel. On est tout au nord de l'île de Koh Yao Yai. Et on va vers le sud, on sera exposé vers le coucher de soleil, donc ça risque vraiment d'être pas mal. Un ami droniste. Bon, apparemment il y a du vlogueur aussi là, il y a du youtubeur là-bas. Ok, on a 16 minutes à attendre avant que le taxi de notre hôtel vienne nous chercher. On va commencer par une petite session drone. Voilà, arrivé au Koh Yao Even Resort. On a eu cet hôtel pour pas si cher que ça. On paye pas une blinde tous les deux. Et regardez-moi cet endroit. C'est dingue. Après 2 heures d'avion depuis le nord, on se retrouve enfin là. On voulait vraiment pas être sur l'île qu'on voit tout là-bas où tous les touristes vont. C'est-à-dire sur l'île, la presqu'île de Phuket. On voulait vraiment être excentré et c'est le cas. Deuxième jour sur Koh Yao Yai. On est tout au nord de l'île, on va aller se diriger vers une autre plage qui se trouve plus à l'est. L'intérêt pour nous, c'est que ces îles restent assez tranquilles, finalement très peu touristiques. Il y a quand même des choses à faire, et il y a quand même des plages aussi d'exception. Donc on se dirige vers la bande de sable qu'il y a au nord-est, qui est apparemment la plus belle plage ici à voir sur l'île de Koh Yao Yai. Et c'est notamment une plage où il y a eu un célèbre film qui a été tourné avec Jessica Alba et un autre acteur qui fait transporteur, tout ça. J'ai oublié le nom de ce type. Tu loues un scooter, tu traces pendant 10 à 20 minutes et tu tombes sur un endroit comme ça. Une île aussi paradisiaque où tu passes tes nuits pour 20 euros dans un hôtel avec piscine. Bref, j'ai rarement vu des plages aussi belles en Thaïlande. Je crois que c'est peut-être l'une des plus belles plages que j'ai faites ici. Je pensais pas. Pourtant j'en ai vu à côté à Koh Phangan, il y a des magnifiques plages. Quand on est arrivé, la marée était encore haute. On réalisait pas trop la bande de sable qu'il y avait. Qu'est-ce que c'est dingue d'être là! De plage, ce genre d'endroit qu'on est venu ici, t'as vu, y'a que nous, on est que deux, sur peut-être, je sais pas, 2 km de plage, tu te sens vraiment au bout du monde, et tellement privilégié, tu vois. C'est sur ces images qu'on se quitte, c'était un joli aperçu de Koh Yao Yai. On va explorer les îles aux alentours les prochains jours, rester un petit peu sur la région de Phuket, avant de faire d'autres îles au nord de la Thaïlande que j'avais pas pu faire.